Pékin Express reprend du service pour sa 14e édition. Celle-ci a connu de nombreux rebondissements, à cause de la crise sanitaire et d'un terrible accident. Découvrez quand M6 la programmera. Stéphane Rothenberg, plus suivre ne plus suivre jamais une saison de Pékin Express n'avait connu autant de rebondissements. Le 5 mars 2020, 8 binômes s'envolaient pour l'aventure de leur vie. Mais ils ne s'attendaient vraiment pas à ce qu'ils allaient vivre. Les candidats de cette 14e édition avaient pour objectif de traverser l'Ouganda, l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis, avant la finale qui devait se dérouler à Dubaï. Sauf que la pandémie mondiale de la Covid-19 est venue tout remettre en question. M6 n'a pas eu d'autre choix, le tournage a bien évidemment été interrompu brutalement après seulement 3 épisodes mis en boîte, tandis que les candidats, Stéphane Rothenberg et l'équipe de production ont été rapatriés en urgence. Et lorsqu'ils ont enfin pu reprendre l'enregistrement, 6 mois plus tard, ils ont dû faire face à de nouveaux imprévus. Déjà, le parcours initial de la course a été complètement modifié. Fini l'Afrique et la péninsule arabique. Les binômes ont repris la course, en Europe. Ils ont parcouru la Grèce pour finir cette folle aventure en Turquie. Quand M6 diffusera la 14e saison de Pékin Express. Une crise sanitaire qui a forcément impacté ces derniers, notamment lorsqu'il fallait passer la nuit chez l'habitant. Il a fallu négocier avec les autorités locales pour que nous ne soyons pas considérés comme un cluster, a révélé l'animateur emblématique du jeu à Paris Match, précisant qu'ils étaient tous masqués et régulièrement testés. Les candidats vivaient d'ailleurs avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, au moindre résultat positif, ils auraient été éliminés et la production aurait mis en place une finale improvisée, qu'importe leur avancée sur le parcours et le nombre de joueurs encore en lice. Ce n'est malheureusement pas l'unique raison pour laquelle cette saison de Pékin Express a été chamboulée. En Turquie, alors qu'il ne restait plus que 2 étapes aux candidats avant le dénouement, un drame est survenu. Un automobiliste local a perdu le contrôle de son véhicule, percutant 2 voitures transportant une équipe de l'émission, des membres de la production et 2 chauffeurs turcs. L'un de ces derniers est décédé des suites de ses blessures, tandis que le binôme impliqué a été d'office rapatrié en France. Une saison qui s'annonce donc d'or et déjà mouvementée, et que les téléspectateurs pourront découvrir dès le mardi 23 février sur M6.